Coucou les petits en chocolat. Alors, aujourd'hui, on va faire des œufs de Pâques. Mais avec pas des œufs en chocolat, mais des vrais œufs. Voilà, des vrais œufs. Bon, je sais que ce n'est pas des œufs en chocolat, mais c'est pas grave. Allez, alors je vais vous montrer tout ce qu'il faut pour des œufs. Alors, comme je vous avais montré, des œufs qu'il faut bouillir, qu'on a déjà fait bouillir. Après, une paire de ciseaux, un panier de fraises, des colorants comme vous voulez et du papier pour décorer. Alors, on va prendre un petit peu du verre comme tu veux. De la mousse. Des feuilles de mousse. Des feuilles de mousse. Allez, alors, suivez-nous, c'est parti, mon kiki. Retire-le. Bon, c'est très facile à découper, parce que vous voyez, regardez. Bah oui, c'est très, très facile. Moi, j'aime bien. On est bien quand même. On va découper une bande bleue. Alors, on va découper en large, un peu large. Alors, je vais commencer à découper déjà, je voulais vous dire qu'en fait, j'aime trop les activités. Alors, c'est pour ça que, avant, je faisais beaucoup de vidéos avec simplement moi et ma maman. Mais avant, je faisais plus trop, mais maintenant, je... Enfin, allez, on place au découpage. Quelle couleur tu voudrais en haut? Moi, j'aimerais bien un poids. Bah, c'est ça, hein. Attends, on va montrer. On se sert de feuilles mousse. Voilà, feuilles mousse. On va pas coûter très cher sur internet. Alors tu veux, qu'est-ce que tu veux comme couleur? Il y a du orange, du jaune, du rose, du rouge. Du rouge pour mettre en haut. Mm-hmm. Pour mettre ici par exemple. Mm-hmm. D'accord. Hop. Bouche comme ça. Allez, hop. Allez, on fait pareil. Même chose. Regarde, je te fais une petite ligne. Tu n'as plus qu'à la suivre, d'accord? Voilà, allez, tiens. On n'en fait qu'une seule? Peut-être deux. D'accord, ça sera quand même. Tu peux faire le deuxième trait après. Voilà. Découpe et puis après. Et la anse, de quelle couleur on va faire la anse? C'est du jaune, il y a du rose, il y a du. Du jaune. Du jaune, c'est bien. C'est bien le jaune. Je me disais, ça pourrait être joli. Très bien. Si je lis le jaune, je découpe bien sur la ligne. Tu peux faire le deuxième trait. Voilà. On va la faire un peu large, celle-ci aussi, pour pouvoir faire un peu de décoration. Maman, mais ça, je sais pas pourquoi on fait ça. Bon, en fait, c'est bien parce que quand même, comme ça, on sait bien où on va. Nous, on n'aime pas trop faire ça, les enfants. Oui. On n'aime pas trop faire ça. Mais c'était toujours ça. Alors, nous revoici. Alors, on a fait ça. Alors, ça, on a fait avec ce ciseau, des vagues. Pour la anse. Deux bandes rouges, bien sûr, encore avec ça, pour faire en haut. Et 18 bandes, parce qu'ici il y a 18, on va pas les compter, vous voyez, c'est pour coller là. Et deux bandes qu'on va coller en bas. Alors vous savez comment on a fait ça? Bien sûr, vous savez qu'on n'a pas fait avec ça. Ça sent trop compliqué. Ça sent trop compliqué. Alors, on a fait avec ça, c'est un ciseau cranté. Alors vous savez pourquoi on a dit cranté? Parce qu'il est cranté ici.
parce qu'il y a des petites formes. Attendez, je vais fermer. Très joli. Maintenant, on va coller avec la colle chaude. Chaude, chaude, chaude. On a aussi collé des bandes, 18 bandes à l'intérieur, comme vous voyez, pour cacher les taches. Comme ça, c'est plus joli. Comme d'habitude. Nous avons découpé, je pense que vous avez vu, Alors, on a collé le fond violet. Et on va coller maintenant le rose. On fait ça pas longtemps, c'est pas grave. Parce que dites-moi en commentaire si vous trouvez que le rose et le violet ça se marie bien. Alors, on va coller. Alors, on a décidé, en fait, est-ce que là, maintenant ? Alors là, en fait, on a décidé, au début, on voulait faire comme ça, mais maintenant, on a décidé de faire comme ça. C'est plus joli. Alors, n'oubliez pas de vous écrire en commentaire si c'est joli. Je suis sûre que tout le monde va dire que c'est joli, parce que, en fait, on se sert que du papier essuie. Enfin, du papier... Je sais plus comment ça s'appelle. Ma pied mousse. We'll be right back.